Steve Fa vient de faire une sortie tranchante contre Samuel Eto'o. Ha! Papa, j'ai regardé la vidéo, je suis resté comme ça, j'ai dit Samuel Eto'o là souffre dans les bras des Camerounais. Le type l'a fait quoi pour mériter tout ça? Et moi-même, je me pose la question. J'ai suivi l'intégralité de la vidéo de Steve. Je vous ai dit que le pays est en train de balancer seulement comme les testicules du cheval, mon frère. Ça va dans tous les sens. On ne comprend plus rien. Tu décides même que tu ne vas plus faire le commentaire sur certaines choses. Mais tu tombes sur certaines vidéos, tu dis non, il faut que je parle. Steve Fa a expliqué, a donné la raison pour laquelle il retourne sa veste, il retourne le dos contre Samuel Eto'o. Depuis un certain temps, il a expliqué tellement de choses dans sa vidéo pour ceux qui ont écouté. Il a parfaitement raison. Je ne dis pas qu'il a tort. Un grand ne ment pas. Je ne dis pas qu'il ment. Parce que lui-même, il a dit, on ne peut pas mentir sur Eto'o. Voilà. Mais ce qui m'inquiète dans la vidéo du grand frère Steve Fa, c'est l'heure, le moment. C'est à quel moment que tu décides de faire cette sortie sur Samuel Eto'o. Steve, c'est terrible. À un moment où la tête du gars chauffe, où il est dans les problèmes, on dit souvent que c'est quand tu es vraiment dans les situations que tu vois ceux qui sont vraiment tes frères. Oui, et quand tu as sorti là, malgré que tu as raison, moi j'ai juste déterminé que il y a certains aides dans la vie qu'il ne faut pas demander. Il y a certains aides que tu demandes comme ça dans la vie. Après, ça devient plutôt le nem, le poison même. Comment tu peux expliquer ceci, grand Steve Fa? Que tu retournes le dos à Eto'o parce que quand tu as perdu tes appareils, tes techniciens sont couverts un événement, les appareils, les équipements de Tarapus, tu as demandé le soutien à Samuel Eto'o, il ne t'a pas aidé. Tu dis dans ta vidéo qu'il t'a fait deux promesses et il n'a pas respecté. Première, il t'a promis de faire l'interview où tu dis avec Messi ou Ronaldo, je ne sais pas si c'est eux que tu disais. Tu as attendu, aucun d'eux n'est même venu au Cameroun pour la CAN. Et il t'avait fait cette promesse pour la CAN. Tu n'as pas demandé que grand, qu'est-ce qui s'est encore passé? Tu te plains, toi-même tu dis qu'ils ne sont pas venus au Cameroun. Ou bien il t'avait dit plutôt que vous devez plutôt voyager pour aller les rencontrer. Je ne sais pas, mais ce que j'ai su dans la vidéo, c'est qu'ils devaient venir au Cameroun, mais ils ne sont pas venus. Deuxième promesse, tu as dit qu'il t'avait promis un voyage VIP au Qatar. La Coupe du Monde est passée, tu n'étais pas au Qatar, tu étais plutôt aux États-Unis, dans tes propres frais. Tu n'as pas toujours demandé que grand. C'est comment? Le cartel est fini, tout. Tu n'as rien demandé. C'est aujourd'hui que tu viens donc lui demander que, dans une vidéo même, que toi-même tu ne vois pas que tu es sérieux. Il peut être occupé. Peut-être t'as fait même des promesses qu'il a même oubliées. Mon frère, le poste qu'il occupe là d'abord n'est pas facile. Toi-même, Steve, combien de personnes t'écrivent chaque jour? Est-ce que tu les réponds? C'est que je suis à d'autres personnes qui t'ont contacté, même pour les publicités, vous avez causé. Après, tu as même oublié. Moi-même, ça m'arrive. Ce n'est pas facile de gérer tout ça. Donc, je ne suis pas en train de soutenir Eto'o, hein? Pardon. Je ne suis pas, moi, en train de soutenir Eto'o. Je donne juste mon point de vue. Grand, moi, si j'étais à ta place, ce n'est pas le moment de tirer sur Samuel Eto'o. Parce qu'actuellement, si Eto'o a plutôt besoin vraiment que tu lui viennes en aide face à tout ce qu'il traverse. Oui, tu dis qu'il t'a trahi. Il t'a vraiment, ou tu dis qu'il t'a déçu parce qu'il t'avait fait des menaces un temps où tu avais fait quel poste, quoi sur ta part. Il t'a fait les menaces et il a encore allé signer un contrat avec les trucs du jeu au hasard là. Tu dis donc quoi de tous ces influenceurs, jeunesses influenceurs qui ont les codes de promo? Les nous comme ça, nous sommes des têtes percées, des embouteillages parce que nous, on ne fait pas la promotion de ça.
Je pense que c'est un choix. Mais voilà, Ngannou, même Ngannou fait la promotion de ça, non? En Côte d'Ivoire, je crois que Didier Drogba, même que l'ambassadeur, ou je ne sais pas trop. C'est partout dans le monde. Moi, je ne peux pas moi condamner quelqu'un par rapport à ses choix. Surtout si ce n'est pas interdit par la loi. Bon, grand, tu as tes raisons, mais je dis toujours que ce n'était pas le moment vraiment de t'adresser à Eto'o. Concernant, parce que moi, franchement, j'ai regardé ta vidéo jusqu'à la fin, grand. Steve, je suis vraiment désolé. Hein. Je ne tire pas sur toi, grand. Mais je dis juste que j'ai regardé ta vidéo du début jusqu'à la fin. Le contenu là ne pèse pas. Tout ce que tu as cité pour accuser Eto'o là, non. Pour moi, je trouve ça trop léger. Trop, c'est faible, c'est vide. Même les promesses qu'il t'a fait, si tu l'avais rappelé, il t'a dit que mon petit reste tranquille. Oh, ne m'agace pas. Tu dis bien. Tu n'as rien demandé, tu n'as rien dit. Il a oublié. La prochaine fois qu'il t'avait dit, qu'il te dit encore que je vais te faire telle chose, peut-être il avait oublié l'autre promesse qu'il t'avait fait. Peut-être. Tu ne le rappelles pas. Mon frère, les gens qui me contactent même pour leurs événements comme ça là, après ils oublient, c'est moi qui les relance. Il dit que, oh, gars, j'avais oublié que j'avais à causer avec toi. Au moins, il devait donner à un autre caméraman. C'est comme ça qu'on me donne le marché. Mais si j'étais resté tranquille, le gars devait donner à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il avait contacté 10 photographes au même moment. Il devait donner au marché à quelqu'un d'autre en oubliant qu'il avait à causer avec moi. Ce n'est pas de sa faute. Il a tellement de choses dans sa tête. C'est comme ça. Tu n'as pas relancé Eto'o. Eto'o a beaucoup de choses à faire. Bon, c'était juste mon opinion, hein, grand. C'est toi qui connais vraiment parce que c'est toi qui comprends vraiment ton film. Ou bien ta vidéo. Je ne comprends vraiment pas ta vidéo. C'est toi seul qui comprends ce que tu as posté là. Moi, je ne comprends pas. Bon, peut-être que je vais encore regarder même 10 fois. Ou bien je vais encore demander un peu conseil à quelqu'un pour qu'il m'explique encore bien. Pour que j'essaie de comprendre vraiment ce que tu reproches à Eto'o. Parce que je ne comprends pas jusqu'ici. Bon, on est ensemble, patron.